Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'ai évidemment oublié de couper le petit écho, qui est très désagréable, qui rend le truc mais extrêmement désagréable parce que je m'entends. Alors, j'aime pas particulièrement ma voix, mais quand je m'entends dans l'écho, je m'entends forcément avec un léger décalage très peu cool. Bonjour Tiffany. Bonjour Franck. Bienvenue à toi, bienvenue à ceux qui sont avec nous sur la chaîne YouTube Adobe France et sur behance.net/live/fr. Ça fait une très longue URL, mais en réalité, si vous avez suivi les petits liens qu'on vous a envoyés au fil de nos différents posts sur Twitter, sur Instagram, etc., eh bien, vous nous avez retrouvés, mais hyper facilement, et vous êtes avec nous. Ce qui risque d'arriver, par contre, et parce qu'on est plutôt gentil avec vous, c'est que tous les gens qui sont arrivés du côté YouTube, sur la chaîne YouTube Adobe France, je vais vous mettre un tout petit lien qui vous permettra de participer à la conversation. Donc ça arrive dans quelques instants, le temps que je me reconnecte là-dessus. En attendant, eh bien, je vais échanger avec les gens qui sont déjà avec nous sur behance.net/live/fr et vous rappeler que nous sommes en direct, que nous allons parler aujourd'hui illustration avec Tiffany, que du coup on va être un petit peu sur Photoshop, mais aussi beaucoup dans son portfolio. Elle va nous ouvrir une belle fenêtre de navigateur. On va regarder un petit peu qui elle est, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle a fait auparavant, tout ça. Et ça, ce sera sur son écran. C'est elle qui va nous montrer ça. Ça me permet aussi de dire bonjour à Julien Gomez, bonjour à Delphine, à Gilles, à Gérald, à Franck. Bienvenue à tous. Et je vais du coup, donner la main à Tiffany. Tiffany, bonjour à toi. Bien le bonjour. Merci, bonjour. Est-ce que tu peux, en quelques mots, sans image dans un premier temps, nous décrire bien qui tu es, ce que tu fais? C'est drôle parce que c'est une question que je pose dans mon podcast et là c'est l'inverse. Je suis autrice et illustratrice. Je fais surtout du dessin d'humour. Voilà, je dirais que c'est surtout du dessin d'humour et un peu engagé. Voilà. Très bien. Gros de ce que je fais. Mais j'ai aussi lancé un podcast il n'y a pas longtemps et de temps en temps je fais des lampes. Enfin bref, je fais un peu plein de trucs. Cool, c'est bien, ça faudra regarder cette histoire de lampe. Alors, le temps que tu retrouves comment partager ta fenêtre, peut-être un navigateur, un Chrome, un Instagram, un book, un Keynote, ou quelque chose comme ça. Je vais regarder un petit peu. Tout le monde est là, tout le monde est en ligne. Ça, c'est plutôt cool. Pour ceux qui nous connaissent pas encore, on est là tous les jours. Le lundi, mardi, mercredi, c'est à 16h. Le jeudi, vendredi, c'est à 14h. Et cette semaine, exceptionnellement, puisqu'on est 3 jours avant Motion Plus Design, eh bien, on a notre petit événement en attendant Motion Plus Design qui a lieu tous les matins à 10h. Donc, on a eu Maël Gourden hier matin. Ce matin, c'était au tour de Romain Gauthier. Et on va continuer de vous proposer des trucs vraiment cool. Demain, ce sera Marie-Véronique Lecoq. Voilà. Tu me dis, quand on passe sur ton écran, qu'est-ce que t'en penses? Ou est-ce que tu veux encore des secondes? Je demande à un illustrateur du coup, parce que ça fait partie de. Merde. Vas-y, dis-moi. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu peux partager mon écran si tu veux. T'es sûre de toi? Certaine? Allez, c'est parti. Donc on est chez toi, on est sur ton écran. Si jamais à un moment tu me dis ah mais non, il faut pas que je vous montre ça, tu me préviens et on remettra nos têtes en grand. Très fort, ça marche. Voilà. Ah, attends, je regarde si mes mails sont ouverts. Non, rien du tout, non, tout va bien. Tout va bien? Alors c'est parti. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc en fait, moi je voulais présenter mon travail d'abord en parlant de mes influences et de mes inspirations parce que comme la plupart des créatifs, on n'est pas créatif comme ça. Enfin, il y a toujours un peu une origine. Et moi, je sais que ce qui m'a toujours beaucoup inspirée, c'est les livres pour enfants que je lisais quand j'étais petite. Et il faut savoir que de mes 3 à 5 ans, j'ai grandi en Californie pendant le tremblement de terre de 89. Moins cool. Donc, super souvenir. Donc voilà, et en fait, je regardais beaucoup Sesame Street quand d'autres regardaient Club Dorothée. Voilà, moi je regardais Rue Sésame, on dit en français. C'est ça, du coup, t'as pas les mêmes repères. J'ai pas les mêmes rêves. OK. Et donc j'ai beaucoup grandi avec Wade Garfield, Sesame Street, Dr. Seuss, Seuss, on dit en anglais, avec Héloïse au Plaza, avec la culture de Halloween, de Snoopy. Voilà, tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment marqué mon imaginaire étant enfant.
Et je vais passer au slide d'après. Ça, c'est pour la petite anecdote, c'est une ancienne voisine de quand j'habitais à Grenoble, parce que j'ai grandi 7 ans à Grenoble ensuite, qui m'a retrouvé ça dans son grenier. Et donc, je découvre tard, elle me dit, ah ouais, donc c'est moi qui ai fait tout ça. Rien à voir avec le style que j'ai aujourd'hui, mais pour vous montrer d'où je suis partie. Voilà. Oui, carrément. Voilà. Ouais, ceci dit, il y a les mêmes couleurs, il y a les couleurs vives et tout. Il y a un truc, hein, il y a une suite. C'est vrai, il y a des personnages, il y a le rainbow, gay friendly, tu vois, écoute. Ouais, non, mais bravo. Alors, voilà, mon style de dessin, donc moi, ça fait 10 ans que je me suis lancée. Avant ça, j'étais, enfin, je vais vous raconter après, mais j'ai commencé par faire l'atelier de Sèvres, en fait. D'accord. Pas tout le monde le sait, ça. Et en fait, un jour, une de nos profs nous a donné un exercice, c'était faites un personnage qui vous représente. Et donc, c'est la première fois que. C'est un peu les origines de mon personnage. Donc, je n'avais pas de nez. Voilà. Et donc, en fait, et puis, on nous avait appris, c'est l'atelier de Sèvres, à écrire avec notre main gauche pour faire genre, c'est l'écriture d'enfant. Cool. Voilà, écoute. Et donc, c'est la première fois que j'avais fait ce personnage-là. Et c'est la première fois aussi que j'ai été confrontée aux réactions qui étaient Ah. hyper enthousiastes. Parce que j'ai fait plein de choses, vous allez voir par la suite, j'ai fait plein de trucs différents. Mais. L'illustration, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un décalage entre ce que moi je faisais, où je me disais bon, c'est des petits dessins, et l'enthousiasme hyper puissant que les gens avaient en disant c'est génial et tout. Alors que moi j'étais là, bon, j'avais Comment l'impression vous de bidouiller. trouvez? Voilà. Et donc là, j'ai senti qu'il y avait un truc, mais j'avoue, je l'ai posé de côté. Et ensuite, voilà un exemple des choses que je faisais. Ensuite, j'ai fait les arts déco à Strasbourg. D'accord. Et donc, j'ai fait autant des bijoux en bonbons que j'allais dans des EHPAD prendre des photos avec des énormes colliers faits avec des jouets pour enfants. Je faisais du dessin de nu. J'avais fait un tutu en protège-slip. Je faisais des inventions bizarres. Voilà, bref. Je m'étais amusée à faire plein, plein de choses. J'avais fait un. Pour ceux qui connaissent peut-être Wim Delvoye, il tatoue des cochons. D'accord, oui. C'est un Je artiste connaissais français. son travail, absolument pas son nom. Voilà, Wim Delvoye. Et en fait, j'avais fait un mini Wim Delvoye, vous le voyez un peu en haut là. J'avais pris des petits cochons figurines et je les avais tatoués avec des tatouages malabar pour Très faire bien. des mini Wim Delvoye. Voilà, bref, je m'étais amusée à faire plein de trucs différents. J'avais vraiment pas mal expérimenté. Et puis en fait, j'ai toujours trouvé que le travail des autres était plus intéressant. J'arrivais pas, en tout cas, à moi, m'arrêter sur une pratique, un truc qui revenait souvent d'ailleurs, les profs me disaient ok, tu es un peu doué en tout, mais tu. Ben voilà. C'est quoi ta spécialité à toi? Comment on t'identifie? Je pense qu'il y a pas mal de créatifs que j'ai rencontrés entre-temps qui m'ont dit en fait, c'est un peu enfermant. Tu sais, on te dit bah, choisis un médium, et quand tu es créatif, tu as envie d'explorer plein de trucs, surtout quand tu es en école, c'est un peu con, mais. Bien sûr. A Voilà, donc moi, fortiori, ça oui. m'a un peu frustrée, mais je me disais voilà, des idées, j'en ai à l'appel, et en fait, je me promenais dans les couloirs de l'école et je trouvais qu'il y avait des artistes qui faisaient des trucs incroyables, autant en design qu'en illustration, qu'en peinture et tout. Et en fait, j'ai commencé à organiser des expos à l'école, Ah, nice. et ensuite à Paris, une pendant les puces du design, et qui avait eu genre 15 articles dans la presse, dans les Arts Rock, Télérama et tout. Alors j'étais là, ok. C'est mon grand jour. Mon grand jour, et mais surtout j'avais un vrai enthousiasme, surtout que la plupart des artistes que je représentais, enfin que dans les expos, eux ils étaient timides, ils n'avaient pas trop envie de montrer leur travail, alors que moi j'étais là, c'est génial. Et en fait, il y avait vraiment un truc où je voulais valoriser tous ces artistes, et donc voilà. Et donc, je me suis dit, bah, je vais être commissaire d'expo, et donc le slide d'après, c'est un peu mon parcours. Donc, j'ai voulu devenir commissaire d'expo, donc j'ai commencé par faire un stage dans une galerie d'art contemporain qui s'appelle la Galerie Valois. Ouais, Où j'ai bien reconnu. bossé, ouais, qui est en face de la Palette, pour ceux qui connaissent précisément. Voilà. Et en fait, au bout d'un an, je suis partie parce que je ne me retrouvais pas trop dans le milieu de l'art contemporain avec les collectionneurs, les critiques d'art. C'est un monde que je trouvais un peu snob, entre nous. Ensuite, j'ai voulu travailler dans la mode parce que je me suis dit, ben, qu'est-ce qui est créatif mais accessible? La mode. Ça peut être le luxe. Enfin, l'avantage de la mode, c'est que ça peut être le luxe, comme on connaît Louis Vuitton, tout ça. Mais ça peut être aussi n'importe qui, avec un très petit budget, peut s'éclater en termes de style. Et donc, je voulais faire un truc plus démocratique. Je me suis fait recaler 2 fois de l'IFM. Ah là là, et c'est pas par rapport à l'enthousiasme sur tes dessins d'avant, t'étais trop frustré. Ouais, non, mais j'étais frustrée de ouf. Du coup, j'étais là, comment ça, vous ne me trouvez pas génial, quoi. Et donc, ils ne m'ont pas pris. Et 2 fois, j'ai quand même tenté une deuxième fois, tu vois.
En plus, c'est pour ça que la deuxième fois, je m'étais habillée, je m'étais un peu déguisée en fille de la mode et tout, et ça n'a pas marché non plus. Bref, Ça c'était n'a pas vraiment. suffi, quoi. Il fallait aller plus loin. Ouais, en fait, non, mais surtout, je pense que j'ai jamais été très formatée, et du coup, je pense que à chaque fois que j'ai essayé de bosser dans ce genre de. Vous verrez après, mais dans ce genre de grand groupe et tout, ma personnalité, elle colle pas. Ensuite, j'ai travaillé dans la vente chez Sonia Rykiel. D'accord. J'étais dans plein de boutiques Sonia Rykiel. En fait, j'étais polyvalente, comme on dit, et du coup, j'ai un peu. Voilà. Mais je m'ennuyais comme un rat mort, pour être honnête. Et ensuite, un jour, je suis allée passer un entretien pour aller chez Isabelle Marant. Et la RH a eu un coup de cœur. Enfin, on a eu un coup de cœur mutuel. Et pendant un an, j'ai dû lui envoyer 3 mails en lui disant en fait, je veux être votre assistante. J'ai adoré. En fait, c'est con, mais j'ai adoré le lieu. J'ai adoré. C'est une grande verrière. C'était hyper beau. Et au-delà de Isabelle Marant, je voulais travailler là. Et c'était. T'avais un... c'était vraiment le coup de cœur, et pour le coup c'était mieux qu'un simple CV et une lettre de motivation, quoi. C'est Ouais. Et du coup, je suis rentrée et j'ai dit, voilà, moi, je. Et donc, en fait, je lui ai dit, moi, je veux travailler avec vous, je vous fais votre café, je vous lave vos chaussettes, je m'en fous. Et elle m'a dit, elle était assez enthousiaste. Et en fait, un jour, elle m'a dit, bah, pour l'instant, ma boss ne veut pas que je prenne l'assistante et tout. Et puis un jour, elle m'a appelé en me disant, bah, je pars en congé mat, j'aimerais que vous rencontriez ma N plus 1. Et en fait, je l'ai rencontrée, coup de cœur, elle a eu un coup de cœur pour moi, en tout cas. Et du coup, elle m'a recrutée et je suis restée 2 ans et demi là-bas, chez Isabelle Marant. Nice. À l'époque où ça cartonnait, où ils avaient eu Kate Moss, ou enfin bref, ça cartonnait à ce moment-là. Et enfin, ça cartonne toujours, mais là, à cette époque-là, c'était vraiment genre, ça a commencé à exploser. Et j'ai adoré ce boulot-là parce que j'étais donc aux ressources humaines, je m'occupais des 30 conseillers de vente chez Isabelle Marant, du recrutement. Enfin, c'est très différent de ce que je fais, mais je suis quelqu'un d'assez organisé et un peu control freak, et du coup, ça collait très bien à ce besoin-là. Et en plus, humainement, c'était très cool de bosser avec des gens qui avaient à peu près mon âge. Et j'avais pas beaucoup d'expérience dans la vente, donc ils m'ont vu arriver un peu en mode c'est qui celle-là? L'anecdote, c'est que je suis arrivée la première fois avec un jean et de neige, mais pas en mode ironique, en mode premier degré. Et en fait, je me souviens de leur regard, genre, oh là là, c'est qui cette coucosse? Et en fait, ils m'ont adoré tout de suite parce que j'étais vraiment soucieuse qu'ils se sentent bien, que ça se passe bien et tout. Et du coup, je faisais pas mal de choses pour leur rendre service, puisque c'était mon job. Voilà, donc j'ai adoré bosser là-bas, mais j'ai fini par partir pour des différends avec ma hiérarchie, on dit. Ouais, c'est comme ça qu'on dit, hein, pour la vie, les incompatibilités d'humeur. Voilà, les incompatibilités. Et j'ai demandé une rupture conventionnelle, ils m'ont dit non. J'ai dit si je reste, je vais vous pourrir la vie. Donc ils m'ont donné une rupture conventionnelle. Et je suis partie, attends, je suis partie en Chine. Parce Ouais. qu'à l'époque, c'était le futur, la Chine. Oui, c'est... Tout le monde disait, il faut absolument aller en Chine, c'est le turfu, c'est là que ça se passe et tout. Et mes parents étaient en Chine, ils avaient une chambre de libre. Je me suis dit, tu sais quoi, j'ai quitté mon job, j'ai vendu tout ce qu'il y avait chez moi et je suis partie en Chine. Et dans le taxi qui m'a pris à l'aéroport, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais là, en fait? Connerie atomique. Et rien que la musique dans le taxi et la vue sur les immeubles et tout, j'étais là, oh, Ah voilà. Enfin non, en bref, fait, j'ai non. pas du tout aimé. Mais alors, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et je suis rentrée la queue entre les jambes au bout de 5 semaines. Ah oui, d'accord. Donc vraiment, même pas prête pour la Chine, même pas prête pour te laisser le temps de Même découvrir et d'apprécier. Ouais, non, c'est... Et en fait, les Chinois, ils sont inabordables parce qu'il y en a beaucoup qui ne parlent pas anglais ni français normal. Et moi, j'ai essayé d'apprendre le chinois. J'étais là, ok, si quelqu'un a déjà essayé d'apprendre le chinois, Qu'il se lève dans la accroche-toi. classe et qui nous explique. Oh, c'est chaud, c'est hyper chaud. Et du coup, bah, tu te rapatries sur les, comment on appelle ça, les expats, qui sont l'espèce la plus compliquée, je trouve. C'est quand même, les gens me disaient, tu vas voir, tu vas danser sur des tables. Il y a une espèce de truc. Un peu collant, tu sais, genre les riches blancs qui débarquaient, qui étaient là pour dépenser de l'oseille. Enfin, je ne me suis pas du tout retrouvée dans cette ambiance-là. Et du coup, je suis rentrée à Paris. Voilà. Ah ben voilà. Ah, là, on est mieux. Là, on est mieux. Et là, j'étais là, en fait, pourquoi je suis partie? Paris, c'est trop bien, j'ai plein de potes, c'est trop bien et tout. Et j'ai trouvé un boulot. Dans un gros groupe dont je tirais le nom, un très très gros groupe de luxe français, et j'ai passé un seul entretien pour un remplacement congé mat, et on m'a dit tu vas être responsable merchandising Europe du Nord.
Et en fait, dès le premier jour où je suis arrivée, j'ai découvert que la, enfin, j'ai réalisé que la stagiaire connaissait plus de trucs que moi sur la marque. Et du coup, les gens qui m'avaient recrutée m'ont regardé genre, non mais attends, je ne connais rien. Et en fait, je me suis fait Connaît remarquer. rien, qu'est-ce qu'on fait surtout? Bah non, mais surtout que c'était n'importe quoi. Et franchement, pareil, j'essayais de. C'était pour faire le lien avec ce que je disais plus tôt avec l'IFM. Tu sais, c'est le genre, ils veulent se la jouer cool, donc ils disent, viens, on va prendre un café à la cafette, et à côté de la machine où tu prends tes cafés, ils s'assoient sur des tabourets hauts, ils ont l'impression d'être trop cool. Et moi, j'étais là, genre, oh. Ah, ça ne me parlait pas du tout. Et en fait, ils m'ont remercié au bout de 5 jours. Ouais, donc au bout de 5 jours, c'était vraiment la honte. Alors attends, 5 mois en Chine, 5 jours au Cinq boulot. semaines. 5 semaines en Chine, Ah oui, c'est ça. cinq jours, 5 jours, l'expérience suivante, c'est 5 heures. c'est ça, oh mon Dieu. Et en fait, je me souviens que très bien de ce moment dans le bus, quand je rentrais chez moi, genre, j'avais plus de boulot à nouveau et j'étais là parce qu'évidemment, vu que j'étais complètement amatrice, je m'étais désinscrite des ACD, enfin, n'importe quoi. J'avais même pas attendu de passer en La CDI. période d'essai et tout, ouais. Voilà, non, j'avais pris un appart hyper cher rue du Cherche-Midi et tout. Et du coup, j'étais dans le bus, j'étais là, oh là là, mais n'importe quoi. Et en fait, je me suis dit, parce que moi, j'ai jamais été trop déprimée comme personne. Ça m'arrive d'être triste et tout, mais je suis pas du tout dépressive. Enfin, jamais fait de dépression et tout. Et je me suis dit, bon, en fait, il y a deux, there's two ways for it, tu vois, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que, bon, je rumine et je suis triste et c'est horrible et tout? Ou est-ce que j'en fais quelque chose et j'en rigole, quoi? Et là, je me suis dit, bah, c'était le moment des blogs. Pénélope Bagé avait un blog, Garance Doré avait un blog et tout. Ça paraît très loin, mais en même temps, ça fait 10 ans. C'est ça. Ouais. Putain, ouf, ça fait peur. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, écris 10 histoires en texte et puis illustrer avec un dessin. Et puis si tu écris des histoires, tu achètes le scanner le moins cher de la Fnac à 100 balles et tu lances ton blog. Et très vite, le nom du blog m'est venu, c'était Le meilleur des mondes possible. Et j'ai commencé un blog, voilà, que je repartageais sur Facebook. Et en fait, c'est très bizarre parce que jamais je me suis dit je vais être illustratrice. C'était vraiment pour m'occuper créativement pendant que je cherchais un vrai boulot. Et donc j'étais à la fois sur. C'était un peu ouais, c'était de la schizophrénie. J'étais sur LinkedIn à faire des cafés avec des gens, genre oui, tout à fait les ressources humaines, nanana. Et à côté de ça, j'avais mon blog, donc. Et en fait, ça. Ouais, vas-y. Et jamais de crainte que les gens passent, tombent sur le blog pendant les recrutements ou avant d'ailleurs. Justement, c'est pas mon vrai nom de famille Cooper. J'ai fait exprès pour pas que, parce que déjà mon nom de famille me plaît pas de ouf. Et du coup, j'étais là. En fait, mon premier éditeur, quand j'ai publié mon premier livre, m'a dit, tout le monde connaissait mon blog sous le nom de Tiffany. Et il m'a dit, bah, c'est quoi ton nom d'artiste? Et du coup, tu sais, tout d'un coup, c'est genre, je peux être qui je veux. J'ai le droit au pseudonymat. Tu vois? Et j'étais là. Je regardais Twin Peaks de David Lynch à l'époque et j'adorais Dale Cooper. Et je me suis dit, non, mais attends, c'est trop stylé, Tiffany Cooper. Bien, Avec mon prénom très américain. tu m'enlèves une question, mais ça c'est nickel. Tout Donc le monde me demande, t'es voilà. américaine et tout? Pas du tout. Je suis française pure souche, mais je ne sais pas pourquoi mes parents m'ont appelée Tiffany. Mes frères et sœurs ne s'appellent pas Brian et Et Kevin. Kevin? Mais non, au contraire, ils ont des prénoms très français. Mais je ne sais pas, anomalie. Tiffany, et je me suis dit, bah, Cooper, ça fait stylé. Mais ce qui est drôle, parce qu'aux États-Unis, en fait, Tiffany Cooper, c'est un peu. Martin Michel en France, quoi. Enfin, tu vois, c'est ou Sarah Dubois. Enfin, c'est vraiment assez classique. Par contre, en France, les gens trouvent que ça fait stylé. Et bref. Mais ceci dit, avec tes premières années devant Sesame Street en Californie, c'est raccord. Oui. Quelque part, cette légitimité d'avoir grandi dans cet environnement-là. Et pour le coup, j'ai vraiment baigné dans cette culture. Et d'ailleurs, je parle anglais et français. C'est d'ailleurs pour ça que j'utilise souvent l'anglais dans mon langage. J'ai pas envie de passer pour une. Je sais pas quoi d'ailleurs, mais. Voilà, et donc, attends, est-ce qu'on en était? Non, Non, tu venais d'arriver à Paris, tu passes des non, non. Je entretiens fais et des t'écris un réseaux, blog. je lance mon blog, et puis le blog, en fait, au début, c'est mes vendeurs d'avant qui me suivent en se marrant parce que je critiquais ma boss, je critiquais le milieu de la mode, je parlais des défilés, des mannequins qui demandaient des strings. Et en fait, je suis allée sur un créneau que personne n'avait utilisé jusqu'ici, qui était que je connaissais la mode sur le bout des doigts à l'époque. Et je me foutais de la gueule de ce milieu avec beaucoup d'humour, mais avec des dessins vraiment faits avec les pieds. Ce n'était pas des dessins léchés comme Margot Motin et Pénélope Bagieu faisaient à l'époque où toutes les filles avaient des talons, des trucs roses, des trucs violets. Moi, c'était vraiment mon personnage. Enfin, tu vois, je vais montrer le blog après, mais voilà.
noir et blanc, un peu cracra. Et alors, si vous saviez comment je travaillais, c'est Ah honteux. bah vas-y, raconte. On est Honteux. là, on est entre nous, les gens sont cool. En fait, ah, c'est un peu honteux, hein. Mais j'avais même pas de tablette graphique. Je Ouais. scannais mes dessins et je détourais avec ma souris. Je cliquais pour la zone et je supprimais. Ah ouais. Ok, Ah ok, ok. Ah ouais, quand ouais. Ah ouais, tu viens de loin. Voilà. même. Ouais, tu reviens de loin. Maintenant, les gens ont un smartphone, ils lancent Capture, ils ont un dessin vectoriel et ils peuvent peindre dedans et c'est hyper facile. Mais il faut avoir Adobe Capture. Voilà. C'était l'instant promo. L'instant promo. T'as vu? En tout cas, bah, laisse tomber. Donc, j'ai galéré, galéré. Mais je me suis éclatée en termes de communication. Et alors, ça a pris. En fait, donc, j'ai fait ça sans me dire que j'allais en faire quelque chose. C'était plus pour m'occuper. Et en fait, ça fait 10 ans que je fais ça, en fait, maintenant. C'est ça qui est fou. Et qu'en fait, j'ai commencé à faire ça. J'ai envoyé mon blog à la planète entière, toutes les maisons d'édition, tous les magazines. Personne m'a répondu, sauf une petite maison d'édition qui m'a dit, oh tiens, on pourrait faire un livre numérique. Tout le monde s'en fout des livres numériques, donc j'ai été payée 200 balles, j'ai fait un livre numérique. Finalement, il m'a dit, oh tiens, on ferait pas un livre papier payé des cacahuètes. Mais j'étais là, ah cool, un livre papier. Ça avance. On sent que tu franchis des étapes quand même, hein, au fur et à mesure. Du coup, on fait un premier livre, puis j'étais là, attends, viens, on fait un événement, je fais une expo, je fais des sérigraphies et tout. Le jour du lancement, le livre n'est pas arrivé. Ok. Oh, Alors que un tu aurais été nettement moins embêté sur le livre numérique qui était sûrement ouais, c'est clair. Il y là. avait genre 100 personnes qui étaient venues au lancement et le livre n'était pas là, donc autant te dire que c'était l'enfer. Mais j'ai vendu plein, plein, plein de sérigraphies et le livre a été envoyé à tous ceux qui l'ont acheté sur place. Bref, et ensuite, la petite coïncidence, c'est que j'avais une amie, Adélaïde, avec qui je bossais chez Isabelle Marant, et son mec de l'époque était vendeur chez Colette. Et en fait, lui, il est venu au lancement, il a dit, mais attends, mais c'est génial, est-ce que tu peux me filer un livre dédicacé? Je vais l'offrir à Sarah, Sarah en Allemagne, qui était donc... Colette, quoi. Enfin, pas Colette, c'est sa maman, mais qui représentait Colette. Et du coup, il l'a mis entre ses mains et j'ai reçu un mail une semaine après. Où est-ce que j'habitais à ce moment-là? Je crois que j'habitais chez mes parents encore. Non, je sais plus. J'ai retourné vivre chez mes parents, du coup, après m'être fait virer, là. Et donc, j'étais au chômage avec mon blog. Enfin, bref, c'était un peu la loose totale, je vous avoue. Et là, j'ai un mail de Sarah de chez Colette qui dit « J'adore, on va le commander pour chez Colette !» Ça tombe bien, les premiers sont pas encore arrivés. Les 900 premiers étaient pas là. On va en retirer quelques-uns. Voilà, et c'était à partir de là, je me suis dit, mais c'est trop trop bien. Et en fait, à partir de là, Sarah m'a fait proposer de faire partie du blog de Colette. Un jour, je lui ai dit, ah, j'aimerais bien faire des t-shirts. Elle m'a dit, bah, carrément, si tu veux, je t'en achète et en plus, je t'offre une vitrine. Alors, du coup, j'étais là, Classe. ok. Du coup, j'ai Bon. dessiné un premier rang de défilé. Ah, bah attendez, je vous raconte tout ça. Donc, ça, c'est le blog. Bref, je me moquais de la mode. Ensuite, mon premier livre est sorti. Donc, vous Tout à voyez, il fait. y a plein de gens, mais pas de livres. Voilà. Et donc, première vitrine chez Colette. Classe. Avec mon nom en énorme sur la vitrine. Je me souviens que je suis passée la nuit, le jour où ils m'ont installée, je passais genre à 23 h le soir pour voir. Et j'étais là toute seule devant ma vitrine en me disant, genre, tu sais, c'est un peu comme dans les films, genre, I C'est made it. ça, c'est ça, c'est l'accomplissement. Mais je vais rester, je vais être la première demain devant la boutique en plus. Grave. Et du coup, j'avais pu me reprendre un petit appartement et tout pour moi. Et je me suis mis à fond. J'ai sorti de la thune de mes économies pour financer mes t-shirts. Je me suis remboursée, franchement, ce que j'ai investi. Mais bon. Et en fait, juste après ça, je me suis dit, bah attends, là, j'ai l'impression que c'est bon. Colette, trop bien. J'ai fait un premier livre. OK, a priori, c'est le meilleur des mondes possible. Tout ce que j'ai envie peut se réaliser. Donc, comme on dit, dream big. Et je me suis dit, bah tiens, avec qui dans la BD j'aimerais trop travailler? Avec Lewis Trondheim, qui est quand même une pointure et tout. Et donc, j'ai envoyé mon blog à Delcourt Shampoing. Il l'a reçu et il m'a dit, bah, le blog, je vois pas de fil conducteur avec ce que je fais, mais si un jour vous avez un truc qui correspond à mon univers, envoyez-le-moi. D'accord. Et du coup, pendant une semaine, j'ai bossé comme une tarée pour faire. Je crois 12 planches du projet BD le plus obscur que j'ai fait, mais qui est un des trucs dont je suis plus fière, qui s'appelle Tout va pour le mieux, et qui est en fait les témoignages des histoires les plus glaçantes, drôles, horribles, marquantes qu'on m'a racontées dans ma vie. Et il a adoré, et il m'a envoyé un contrat en me disant, OK, c'est parti, et il me payait 10 fois ce que j'ai été payée pour le premier livre. Donc j'étais là. Et on parle pas du livre numérique d'avant. Ah non, alors là.
Et bref, et donc je me suis retrouvée à faire un livre avec Lewis Trondheim. Cool. Voilà, donc ça c'était le deuxième truc. Puis après j'étais là, non mais attends, Sarah Tchekolet, Lewis Trondheim. Vas-y, y a un truc, il y a un karma, faut y aller, quoi. Faut y aller. J'étais là, à qui, avec qui j'ai envie de bosser? J'étais là, bah en fait, avec Karl. J'ai envie de bosser avec Karl. Et pourquoi Karl? Pourquoi Karl? Parce que Karl, il a un univers, à la fois, pour les gens qui ne connaissent pas beaucoup, c'est le mec de la mode, snob avec ses lunettes et son costard. Mais pour ceux qui le connaissent un peu mieux, c'est quelqu'un qui a énormément d'humour. Vous vous souvenez peut-être sans doute de la campagne Gilets Des jaunes. gilets jaunes, ouais. Voilà, Pas il vu, avait gilets été obèse à un moment, mais il avait justement posé chez McDo pour jouer de ce truc-là. Il avait fait un supermarché au Grand Palais. Et en fait, j'avais déjà fait plein de dessins de lui, donc chez Colette et sur mon blog. J'avais déjà eu des articles un peu dans la presse pour mes dessins sur lui. Et en fait, ce que j'ai, ah, donc j'ai envoyé une lettre à Karl. Il jaunes. avait vraiment une lettre, quoi, avec un dossier avec mes dessins que j'avais fait de lui. Voilà, une lettre qui disait, j'adore ce que vous faites et je vois vraiment bien nos deux univers se rencontrer et tout. J'adorerais collaborer avec vous et tout. Et en fait, il y avait une fille de l'équipe de chez Lagerfeld qui me suivait sur Instagram. Et je lui ai écrit et je lui ai dit, bonjour, je l'ai vous voyez et tout, mais voilà, je lui ai dit, j'aimerais beaucoup envoyer ce dossier, mais être sûr que ça tombe sur la bonne personne, quoi. Mais c'est ça. Et elle m'a dit, bah carrément, envoyez-le-moi à mon attention, et puis moi, je. Clara Monk, elle s'appelle cette fille. Et envoyez-le-moi, puis je transmettrai. Une semaine après, j'ai reçu un coup de fil de la responsable de Secrétaire. presse de Ah, wow. Karl, qui était en fait, personne parlait à Karl, cinq personnes dans le monde parlaient à Karl directement, je pense, mais. Caroline Lebar, donc, qui était Karl depuis 25 ans, enfin, qui était le porte-parole de Karl, et elle m'a appelée en me disant « Ah oh là là, on a adoré, j'ai adoré, qu'est-ce que j'ai ri !» Et alors j'ai appelé Karl pour lui dire « Vous connaissez Tiffany Cooper ?» Et il a répondu « Bah oui, évidemment !» Et donc en fait, il en fait, j'ai pas la photo là, mais il avait posé devant ma vitrine chez Colette. Et j'ai appris plus tard qu'il avait acheté tous mes t-shirts pour ses assistants, et enfin bref, et en fait... Elle lui a dit, mais ce serait trop cool de faire un truc avec elle. Et il a dit, ouais, carrément. Et du coup, eh ben, on a fait une collection capsule, une expo itinérante. C'était incroyable. C'était. Non, mais je Ouais, suis passée. c'est magique, quoi, parce que du coup, t'as vraiment tout, tu retrouves tout ton univers et tu fais ce que tu veux derrière, Mais adoubé c'est par. incroyable. Et d'ailleurs, elle a retrouvé une lettre de lui il n'y a pas longtemps. Elle me l'a envoyé en photo. Il a écrit, j'adore ce que Tiffany. J'adore sa vision de Choupette et moi. Elle est libre de faire de mon personnage ce qu'elle veut. Et d'ailleurs, il a relu mon livre où je l'ai quand même fait gros en train de se battre près de chips et tout. Et il a dit, il a pas du tout censuré. Il a dit OK pour tout. Et en fait, c'est quelqu'un d'adorable. Et bref, et donc on m'a envoyé au Japon. Il y a eu des vitrines dans le monde entier. Des collections se sont arrachées. Enfin, c'était une expérience. Mais donc, moi, un an plus tôt, j'étais dans ma chambre de même un an plus tôt, j'étais chez mes parents en mode. Et tout d'un coup, je bossais avec Karl Lagerfeld et c'était incroyable. C'était franchement, c'est la meilleure expérience de ma vie, quoi. J'avais fait une expo donc, qui a fait le tour du monde avec des fausses affiches de films avec Karl. D'ailleurs, il m'a demandé de lui en faire un exemplaire pour lui. Et ça s'est vendu aux enchères il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus combien. Cool. Je ne sais plus, genre 21 000 euros ou un truc comme ça. Alors que c'était des impressions numériques qu'elles avaient jaunies. Bref. Oui, mais elles avaient appartenu à, et c'est suffisant pour redonner une valeur à l'objet physique. On est bien d'accord. Voilà. Donc j'avais fait un livre sur Karl. Voilà, vous voyez, je le dessine gros, maigre. Et sa mère était odieuse. Donc je la dessine en train de se foutre de sa gueule. Elle disait, tu as des tellement grandes narines qu'il faudrait mettre des rideaux devant ton nez. Enfin, il avait une mère, mais il adorait parler de sa mère. Quand il en parlait, il avait ce petit sourire. Tu sais. Alors qu'elle était mais monstrueuse avec lui. Voilà. Bref, donc j'ai bossé avec Karl. Et ensuite, à partir de là, bah, quand vous bossez avec Karl, tout le monde veut bosser avec vous. Et donc là, j'ai enchaîné, bah, ça fait, attends, c'était en 2015, donc ça fait 7 ans. Et donc, j'ai fait plein de collabs. J'ai bossé avec Kawé, la mairie de Paris, SNCF, Le Bon Marché, tout ça. J'ai bossé avec Evian, Uniqlo, Apple, Ralph Lauren, Vans. Tout ça, tout ça. Bref, ça, c'est quand même l'avantage, c'est que ça m'a ouvert vraiment beaucoup de portes. Et ça fait 10 ans que j'arrive à en vivre, quoi. Visiblement, ça fait bien marrer tout le monde. Le Carl Bill, tout le monde n'avait pas encore vu. Ah, cool! Ah, Il y a Gérald qui nous dit, ouais, Carl Bill. Ah, et Franck qui nous dit derrière, Lewis, c'est top pour donner des conseils sur ouais. sur la préparation des bouquins. Pardon, j'avais Ah ouais, zappé, carrément. raté cette question. Donc,
donc voilà, j'ai aussi fait des expos. Donc j'ai fait une expo chez Colette. Donc ça, c'était 2 ans après Lagerfeld. Et en fait, pour la petite anecdote, je fais des dédicaces, nanana. Et puis à la fin, tu sais, les dédicaces, tu sues. T'es là. Donc je suis allée au water bar et j'étais là, genre, je bois un verre d'eau et j'avais des auréoles, je crois, et tout. Et j'ai quelqu'un qui descend en me disant, il y a quelqu'un qui est là pour te voir. Donc je dis, ok, je ferme ma bouteille, je monte. Et c'était Karl qu'on voit en bas à droite, là. Qui est J'étais venu te voir, genre là. salut, t'es Et il est revenu. venu acheter mon dessin de, qui en plus qui craint quand on y pense, qui est de lui en train de demander en mariage son chat. C'est un peu chelou quand même. Il l'a acheté et il est surtout, tu sais, tu te dis, tu bosses avec Karl et lui il est en mode moving on, genre je t'oublie, tu vois. Mais non, Mais en fait, non. il est venu au lancement et tu vois, et cette petite main sur mon bras, il était ah, bravo et tout. Adorable. Cool. Adorable. Et ensuite, j'ai fait une expo en Corée. Ok. Pour la petite anecdote, je savais pas du tout à quoi ça allait ressembler. J'avais un peu peur que ça ressemble à rien, donc je leur avais fait une charte de contrôle freak avec écrit voilà les couleurs que vous pouvez utiliser, voilà les typos, voilà l'espacement entre les œuvres, etc. Je suis arrivée en me disant ça va être horrible et tout. Et en fait, l'expo était magnifique. Cool. C'était hyper, hyper cool. Voilà. Donc ça, c'était Séoul. Ensuite, j'ai fait un livre qui s'appelle Les contes de notre enfance revisités, que beaucoup de gens ont acheté en pensant que c'était un livre pour enfants. Et du coup, j'ai regardé il n'y a pas longtemps les critiques Amazon. Et les gens disent, mais c'est pas du tout pour les enfants, c'est bourré de vulgarité, de gros mots. Il y a des enfants qui entendent des vulgarités et des gros mots régulièrement, donc ça, peut-être que ça peut passer. Bah ouais, mais là genre, justement, en fait, les enfants en général adorent mon bouquin parce que moi, il y a pas mal de gamins de 10 ans qui venaient, c'est bizarre, j'ai une petite fanbase de gamins de 10 ans, des garçons, qui viennent aux dédicaces et qui sont là, j'adore, quand tu dis les gros mots et tout. Et donc voilà. Et ensuite, j'ai fait. 2 ans après, j'ai fait mon cinquième livre, Moi, maman. Quand je suis devenue maman, alors que j'étais persuadée que je ne deviendrais jamais maman, parce que ça ne m'intéressait pas du tout. Et en fait, j'ai raconté donc, cette expérience de comment je suis passée de meuf anti-enfant. D'ailleurs, j'aime toujours pas trop les enfants. J'aime mon enfant. En J'aime tout bien, mais cas, ceux des autres. j'adore mon enfant, mais les autres, enfin, les autres, des fois, ça ne Ouais. m'intéresse pas tellement. Et voilà. Et donc, j'ai raconté, en gros, le truc de la célibataire endurcie qui tombe amoureuse et qui finalement se retrouve maman. Voilà. Et la suite, c'est de l'histoire, c'est ben, en fait, on s'est séparés quand notre fils avait 1 an. Et du coup, j'ai fait un livre parce que j'étais en colère de ouf, parce que j'ai réalisé que j'étais tombée dans le piège des inégalités domestiques, où en fait, moi, j'ai surinvesti l'univers domestique et le père de mon enfant a sous-investi. Et du coup, c'est pas du tout pour ça qu'on s'est séparés. Mais en tout cas, je me suis dit, attends, il y a un vrai truc à faire si même moi, ça m'arrive alors que je pensais pas trop. Alors que tu étais prête, alors que tu étais au courant de tout ce qui pouvait Alors se que j'étais au tramer. courant, qui me dit non mais moi je fais tout ça, nous on a un couple égalitaire, nanana et tout. En fait, voilà. Et je me suis dit, attends, si ça me parle autant, c'est que ça va parler à d'autres gens. Et en fait, surtout les statistiques étaient assez affligeantes, quoi. Et du coup, c'est un livre qui a vachement bien marché. On a eu plein de presse. Donc voilà, mon premier livre féministe et c'est la fin. Voilà. C'est la fin, c'est le moment où tu arrives sur maintenant. C'est la fin. Ouais, sur maintenant. Ou maintenant. Alors Parce maintenant, je bosse sur quoi? Je viens de terminer un livre pour enfants qui va sortir en janvier. Et bien, je cool. suis assez contente. J'ai hâte de vous le partager. Et je travaille sur un projet de série animée, mais ça, c'est encore confidentiel. Alors Voilà. les trucs confidentiels, tu les gardes pour toi et on Exactement. les regardera. Je vous ai passé le lien, hein, du site de Tiffany, je vous ai passé le lien de son Instagram. Le jour où les choses confidentielles ne le seront plus, vous pourrez y aller tranquillement. Et vous aurez l'info à cet endroit-là. Mais en attendant, effectivement, on est plutôt bien à Non, regarder ce que tu peux montrer. j'ai un contrat de confidentialité de toute façon là-dessus. Non, j'ai pas mal de collab cool à venir. Je continue à vivre de ça. Et j'aime bien alterner des commandes commerciales et des choses avec plus du contenu. J'adore ce que je fais, quoi. Parce que quand même, alors, non, mais c'est vrai. Alors, pas, je dis pas j'adore ce que je fais, mon travail, mais ce que je veux dire, c'est enfin, c'est que ça me rend très heureuse de. De pouvoir vivre de trucs que t'aimes Ah, bien, quoi. c'est quand même une chance, j'ai pas de patron, je travaille dans mon salon la plupart du temps en pyjama, tranquille, enfin, c'est un bonheur. Bref. Je voulais vous montrer du coup pour Photoshop, vous voyez mon écran du coup. On est sur ton écran, toujours. Alors, vous savez, on peut changer les fonds de couleur et moi, je sais pas pourquoi celui-là il me rend joie à chaque fois, donc je bosse toujours sur fond bleu, je sais pas pourquoi, j'imagine que ça l'a dérangé d'autres gens, mais. Si vous suivez mon travail, vous avez peut-être vu que j'ai un gimmick qui revient de façon régulière, c'est le dessin du psy. Et donc, en fait,
J'ai fait un décor de fond qui est, genre, en fait, moi, j'aime pas trop faire des décors, pour être honnête. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire des histoires avec des personnages et des blagues. Mais dessiner, alors, le pire que je déteste, c'est dessiner des paysages. Genre, tu sais, les villes avec les petits immeubles et tout, je crois que je peux Ça, passer. c'est vraiment le truc que t'as pas envie de faire. Oh là là. Et du coup, là, en fait, du coup, j'ai fait un dessin de base et en fait, j'ai deux têtes selon l'orientation. Et ensuite, je dessine ce que je veux. Qui est le nouvel invité Du psy du Voilà. moment. Et ben, du coup, je vous propose de suivre en même temps que je dessine un nouveau personnage. On peut faire comme ça, Franck? Ouais, carrément. Carrément. Est-ce que ça vous plaît à tous pour l'instant, tout ce que vous avez vu jusque-là? J'ai vu Gérald était à fond entre la vitrine, les t-shirts, Kill Bill, etc. Nadine est d'accord aussi. Tout le monde est en train de regarder avec plaisir. Delphine nous dit super vitrine. Je remonte les commentaires au fur et à mesure. Les gens sont enthousiastes, raisonnables, tu vois, pas tout le temps en permanence, mais quand on leur demande. Cool. Alors, tac, tac. Ouais, j'avoue, parfois je triche un peu sur les. Pour faire des traits droits, je me fais pas chier, je trace. Bah, de toute Hop, façon, hop, hop, c'est pas obligatoire de s'embêter. on est bien d'accord, on est bien d'accord. N'y a pas une obligation à ce que les choses soient compliquées, en fait. Je Ah, pense, non. ça a mis du temps à déconstruire ça aussi, hein. Tu sais que le travail ne doit pas forcément être de la souffrance. Contrairement à l'étymologie. Ah, c'est l'étymologie, ça veut dire souffrance? Ben, en fait, alors je suis jamais allé vérifier si c'était de la légende urbaine ou pas, mais il paraît que travail venait de tripalium, qui était un instrument de torture. Mais je suis pas allé creuser, mais sûrement. Enfin, en tout cas, ça ressemble. Moi, je sais que j'ai mis du temps à déconstruire ça, puis vu que tu sais, en gros, j'ai un oncle un peu bourge-cato qui m'avait dit une fois, alors, ça va les petits Mickey? Je sais plus, parce que tu sais, personne ne prend trop, enfin, si, maintenant, ils prennent ça au sérieux, mais quand je me suis lancée, tu sais, j'avais un blog, quoi, donc je dessinais des petits Mickey, et c'était un hobby, quoi, tu vois? Et du coup, c'est vrai qu'il y a des fois où quand ton boulot, c'est quand même faire des blagues et tu vois, et te faire Ouais, kiffer, bah, tu te dis, est-ce que c'est vraiment du travail? Ou alors, parfois, c'est vraiment du travail et c'est fatigant. Et du coup, tu culpabilises d'en avoir marre alors que ton boulot, c'est quand même c'est quand même pas vachement sauver cool, des mais vies. enfin. Ouais, du coup, il y a cette espèce de culpabilité en se disant, attends, j'ai un boulot hyper cool, il y a des gens qui font des métiers hyper difficiles, de quoi je me plains. Et j'ai mis du temps à déconstruire, mais maintenant, j'ai bien compris que le travail, c'est pas forcément de la souffrance, quoi. Donc, ça, Ouais, c'est non, mais c'est ça. T'as le bonjour d'Alice Dess qui dit coucou Tiffany. Mais oui. Et qui te rappelle que ce n'est pas tricher, c'est optimiser. Mais oui. Merci Alice, tu as Tout à raison. fait. Toujours de mon côté. Alors, ah, pour la petite Mmh. anecdote, Alice, elle travaillait avec mon agent avant d'être illustratrice. Et du coup, c'était, tu sais, on a tous, quand on est créatif, our go-to person, si on a un blocage, on a tous cette personne qu'on connaît qui connaît Photoshop mieux que nous. Cette Et personne c'était qui a Alice. toujours été Alice. Ah, parfait. Mais alors Alice, tu sais, elle est déjà venue chez nous une Oui, paire de je me fois rappelle. sur la chaîne. Elle est venue faire des lives avec nous et tout. Donc elle connaît la maison. Elle connaît bien la Ouais, maison. elle, à Photoshop, elle est trop, trop forte, quoi. Et puis, il y a des fois où, si tu veux, même si elle n'a pas la réponse, elle va me la chercher, puis elle va me trouver la solution, tu vois. Mais oui. Carrément. Carrément, elle nous a fait des sessions gouache digitale, elle nous a fait des sessions illustration. Elle a fait plein de trucs assez rigolos avec nous. Moi, j'avoue, dessiner sur tablette, tout ça, j'ai essayé. Je peux y arriver, mais en fait, ça change légèrement mon style, tu sais. Et du coup, j'avoue que c'est un peu comme un vélo, tu sais, quand tu conduis ton vélo à toi, c'est hyper facile, mais dès que tu changes de vélo, tu te dis, mais il y a un problème ce vélo. En fait, tellement on est habitué à. C'est ça, On a du mal à sortir à de. ta méthode à toi, quoi. Ouais, moi j'ai du mal à sortir de mes méthodes à moi. Après, donc voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, je suis passée de. On y verra mieux. Je suis passée de je détourais donc Ouais. à avoir une mini tablette graphique devant moi et j'avais un ordinateur portable qui s'ouvrait comme ça et je dessinais sur ma mini tablette. Ça, j'ai galéré. Voilà. Et ensuite, et puis un jour, mon ex, comme ça, qui était assez doué en Photoshop aussi, me disait mais attends, mais comment tu travailles? Et là, il a réalisé que je ne faisais pas les calques.
Ah ok, mais ça explique que tu gommes et que tu fasses disparaître les trucs. C'est parce que tu savais même pas qu'il y avait des calques ou t'en avais pas besoin. Comment ça que je gomme? Parce que t'as dit ouais en fait je prenais à la souris et ensuite Mais j'effaçais je ou je savais pas que ça supprimais. existait. Je ne savais Ouais pas du ouais tout que ça ouais existait. Et en ouais. fait, il me disait non, mais je te montrerai. Et puis moi, j'étais. D'ailleurs, je pense que je suis un peu comme ça encore, mais j'étais hyper réticente. Non, non, mais c'est bon, j'ai pas besoin de ton aide et tout. Mais si, je vais t'expliquer, ça va te faire gagner du temps. Non, non, moi, j'étais là. En fait, je me sens toujours très bête quand on m'explique un nouveau truc. Du coup, j'étais non, non, j'ai pas besoin de ton aide et tout. Puis un jour, il m'a dit non, mais Tiffany, quand même, écoute, tu perds un temps de fou, je te montre. Et là, il m'a montré. Je te dis pas le temps que j'ai gagné. Bah, non, mais j'imagine complètement parce que c'est un peu le principe. J'ai deux personnes à la maison en âge d'utiliser Photoshop. Une qui m'a dit, papa, il faut absolument que tu m'apprennes Photoshop, ça a l'air vachement cool. Et l'autre qui, pendant des années, m'a dit, non, mais c'est bon, ça va, c'est fatigant, en fait. Ok. Mais il y en a une dont c'est le métier et l'autre qui va faire des tonnes de trucs dans sa vie, Non, mais c'est ça, en fait, putain. c'est. Et bref, et du coup, il m'a montré ça. Et en fait, par exemple, tu vois, une planche Madame Figaro, en moyenne, avant, je prenais une journée et demie à en faire une. Et là, maintenant, je mets. Bon, ça dépend du sujet et tout, mais je mets 3-4 heures. Parfois 5 à tout Bah péter, oui. mais pas un jour et demi. Tu vois, j'ai diminué mon temps par deux ou trois. Ouais. Et en fait, ça m'a changé la vie. Et je me souviens d'une campagne que j'avais fait pour Voyage SNCF, pour leur calendrier ou je sais pas quoi. Et ils avaient. En plus, c'était hyper relou, c'était là, genre. Ah, la mouette à gauche. Non, finalement, à droite. Imagine-toi, j'avais pas de calque. Donc, moi, et je faisais pas des VRV2 et tout. Donc, je la supprimais. J'ai fait une autre chose et il me disait, ah, on veut la mouette d'avant. J'étais là, mais je l'ai effacée. Plus là. C'est ça. Waouh. Ouais, non, mais écoute, je vois bien. Je vois tout à fait le genre de problème. C'est pour ça qu'on a inventé les calques, d'ailleurs. C'est, Exactement. il y a Alice qui nous dit, ah ouais, mais moi, j'étais son Franck à elle. J'étais sans Franck. Ah, parce que pour Oui. toi, Alice, c'est Franck. Non, pour Alice, c'est de temps en temps moi qui débarque quand elle C'est est ça que je perdue disais, sur ouais. Twitter. Excellent, d'accord. Et Alice qui dit, et il fallait dévectoriser après. Oui. Ah ouais, vectoriser, c'est aussi tout un délire. Ça, par contre, pour vectoriser, c'est pareil. Je crois que c'est un pote, Nico, qui m'a appris. Mais par contre, Illustrator, je ne suis pas très douée, mais j'ai appris les bases. Et en fait, en gros, quand je fais un dessin pour un client et qu'ensuite, il veut en faire une vitrine ou un truc très grand, je vectorise calque par calque. Ouais. Et pareil, une fois que tu sais que t'en servir, ça va hyper vite, quoi. Ouais, après ça va tout seul. Non, de toute façon, il y a plein de manières d'utiliser les outils. Chacun fait par rapport à ce qu'il est capable de gérer, à ce qu'il a envie de gérer dessus. Et moi, j'essaye toujours de vous montrer des tonnes de petits trucs à côté. Qu'est-ce qui peut servir? Comment on peut débrouiller telle ou telle situation? Mais c'est jamais moi qui fais l'illustration à la fin. Ça, c'est pour vous. Ouais. Je me trompe en même temps. Un jour, on te mettra en main un iPad et je te montrerai comment ça marche Fresco qui fait directement le vectoriel. Ah, trop bien. Et là, ce sera la fête, tu vas voir. Ben, en fait, c'est ça. Je pense qu'à un moment, il faudrait que je me update régulièrement de ce genre de truc. Mais j'avoue, je prends pas trop le temps. Je suis pas assez curieuse de ce genre de truc. Il y a une fille, et d'ailleurs, que Alice connaît, qui s'appelle Mikonki, ou je sais pas comment. Nikanki, ouais. J'aime bien ce qu'elle fait. Et elle a l'air de. C'est une belle expression de toucher sa bille. Ça veut dire être fort, non? Ouais, c'est ça, ouais, ça se tient. Ça s'utilise en tout cas. En tout ce qui est. Moi, je regarde ça, ça me fascine, tu vois. Alors que moi, bon, j'ai ma méthode à moi et pas ça, tu vois. Mais. Ouais, c'est. Faut être curieux, quoi. Faut être curieux, faut avoir envie de partager ces trucs-là, faut avoir envie d'avancer dessus. Et puis il faut voir aussi, après, c'est beaucoup de problématiques de productivité, tu vois, tu disais, bah oui, j'ai commencé à faire les dessins de cartes, les vitrines, les ceci, les cela. Plus tu passes de temps à faire ces choses-là, moins tu passes de temps dans la vraie vie à côté, quoi. Donc autant gagner du temps quand c'est possible. Exactement. Moi, je sais que ça m'a vraiment fait gagner du temps et du coup, franchement, je le remercie en tout cas pour ça et voilà quoi. Mais ouais, je sais pas comment je faisais sans calque, mon Dieu quoi. La vie des calques. Sais pas si j'arriverai à le faire aussi beau que ce que je voudrais. Il y J'ai a l'impression qu'il y a des gens Delphine. qui me regardent et des gens me regardent jamais quand je suis. Il y a Delphine et Denise qui s'inquiètent un petit peu et qui disent, mais du coup, quand est-ce que tu respires? Genre, d'habitude, je parle plus que mes invités, là non. Là c'est ton tour. Ah, Mais c'est-à-dire que c'est moi, pas je parle cette. trop? Mais elle s'inquiète que tu parles beaucoup. Est-ce que tu respires pour de vrai?
Mais non, mais moi j'aime mieux une invitée qui parle trop qu'une invitée qui parle pas. C'est pas Oui, tu me diras. Mais tu sais, ça me fait penser à l'autre jour, j'étais en train d'enregistrer mon dernier épisode de podcast. Et tu dois enregistrer, du coup, tu sais, genre, bienvenue, nanana, et tout. C'est le truc que tu enregistres tout seul. Et en fait, j'avoue que je respire pas trop. Et du coup, il y a des moments où je fais comme ça. Et j'ai réalisé que, ouais, en fait, il faut respirer. Mais je respire très bien, tout va bien. Alors du coup, à quel moment on parle de va vers ton risque? Ah, bah maintenant, pourquoi pas? En fait, ça n'a pas grand-chose à voir avec le dessin, mais j'ai voulu faire ce podcast parce que, bah, en fait, j'avoue, j'avais un peu la flemme d'en faire un livre déjà. On va faire un peu simple. Vous savez tous que faire un livre, ça prend énormément de temps, que c'est vraiment pas hyper bien payé et tout. Et je me suis dit que... Et puis... C'est bien que tu dises vous savez tous, parce qu'en général, les seuls qui le savent vraiment, c'est ceux qui se sont dit ouais, je vais faire un livre, ça va être cool. C'est ça. Donc, tous ceux qui ont sorti un livre savent évidemment que faire un livre, ça prend Alors, vachement plus de temps. je vous dis, tout le monde veut faire un livre, mais en fait, c'est très très mal payé. Enfin, c'est assez mal payé de faire un livre, à moins que tu sois Johann Spar ou Ou Lewis Trondheim? ouais, Lewis Trondheim. Et donc, je me suis dit, en fait, j'avais très envie d'aborder certains sujets, et en fait, j'avais envie d'être inspirée par des gens. D'aller pouvoir avoir un prétexte pour les rencontrer et de pouvoir, un peu comme du commissariat d'expo, mais pour des gens dont les valeurs me touchent, quoi. Et du coup, je me suis dit, ben, le podcast, c'est un bon. Tu vois, à l'époque, c'était les blogs, maintenant, c'est les podcasts. Et je me suis dit, ben, tiens, j'étais un peu impressionnée au début parce que je n'avais jamais fait de montage audio et donc j'ai dû acheter le matos et tout. Mais en fait, c'est venu très simplement. Je monte un épisode en même pas une journée. C'est très agréable à faire. C'est hyper, hyper agréable à faire. Et ce que j'adore, c'est que si tu partages une conversation, bah, un peu ce qu'on est en train de faire, tu partages une conversation avec quelqu'un, quoi. Avec quelqu'un, en plus, c'est des gens que toi t'as choisi et que t'estimes et tout, et donc c'est quand même assez sympa Ah ouais, non, de mais pouvoir franchement, revenir dessus. c'est un vrai plaisir de faire ça. Et puis du coup, tu sais, t'es un peu une direction artistique, genre, ah ok, c'est qui mon prochain invité? Alors, il y a que des filles dans mes invités. Bon, il y a Lolita, mais qui est un homme, Esteban. Et en fait, c'est parce que je crois que j'ai demandé à 3 mecs en tout, et ils n'ont tous pas répondu. Ah Donc, j'ai mince. envie de te dire, ne me pensez pas que je suis sexiste, ils n'ont qu'à répondre, mais a priori, ils ont considéré qu'ils étaient trop importants pour ça. Donc, moi, j'interview les gens qui sont curieux et qui ont envie de. Alors oui, là, je dessine n'importe quoi, mon Dieu, je m'en fous, il y a des gens qui me regardent. Je suis en train de dessiner mon brouillon, c'est juste pour des repères. D'accord. Ta, ta, ta. Ouais, ça marche plutôt pas mal, hein. Donc ouais, c'est un podcast qui s'appelle Va vers ton risque. Un podcast dédié aux personnes qui osent sortir des schémas classiques, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Il y a toute une bande-annonce qui va très vite. Vous écoutez les 2 minutes 45, et après vous êtes hyper tenté de regarder, d'écouter l'épisode avec Roman Boringer, avec Lolita Banana, Fiona Schmidt, Barbara Butch. Butch ou Gotch, comment on dit? Butch? Butch, ouais. Butch, va pour Butch. Question, est-ce qu'il y a un prochain épisode qui arrive, et quand est-ce qu'il arrive, sans ruiner la surprise? Il arrive lundi. J'ai fini de le monter hier. J'attends juste la réponse de la personne que j'ai interviewée parce que c'est rare, mais elle m'a demandé de le Ou de réécouter. réécouter. Je lui en veux pas du tout parce que j'étais étonnée que les 4 premières ne me l'aient pas demandé. Moi, quand on m'interviewe pour un podcast, je veux toujours réécouter. C'est horrible de se réécouter, putain. Ouais, c'est dur, hein. Puis tu sais ce que t'as dit et tu découvres ce que t'as pas dit, ou au contraire d'ailleurs. C'est plutôt ah ce que j'ai dit parce que vu que je me sens en confiance parfois je discute et tout d'un coup je me dis ah mais ça je peux pas dire ça et après je regrette ça m'est déjà arrivé de demander à ce qu'on retire et puis en général les gens disent mais non les gens qui m'ont interviewé me disent franchement assume garde comme ça et tout et en fait le monde ne s'est jamais effondré donc Ouais. Puis finalement, ça se passe bien. Les gens sont plutôt contents à la fin. ouais alors attends Donc, je voulais faire la quoi suite, c'est lundi. Je vous ai mis le lien du podcast. Je vous ai mis le lien d'abord de la story du podcast parce que c'était drôle. Et le lien de la playlist sur Spotify pour ceux qui sont tentés. Comme d'hab, tout ce que je vous mets comme lien, vous les retrouvez dans le chat côté YouTube. Et je vous partagerai ça sur le Discord parce qu'on a un petit Discord qui va bien. C'est quoi déjà Discord? Discord, c'est une espèce de plateforme sur laquelle les gens discutent. C'est un mélange de forums, mais en mode un petit peu plus bazar.
avec des trucs de conversation au fur et à mesure. Il y a plein de... MSN mais public? Ouais. Messenger? Messenger, mais public, ouais, je sais pas. Il y a vraiment un côté forum, ils ont ce qu'ils appellent des channels, et sur lesquels, bah, tu vois, chez nous, il y a Ask a Question, posez vos questions, on remet des liens, on passe... les gens ont des discussions autour de leurs pratiques et tout, donc voilà. Ok, c'est cool. Et chaque... Enfin, tu vois, il y en a pour Motion Café quand les gens font du motion, il y en a pour Substance quand ils sont perdus sur la 3D, il y en a sur la vidéo, il y en a... Il y a le sens créatif dessus, par exemple, avec Jérémy, qui lui est très très podcast pour le coup aussi. Ouais, carrément. Voilà. Et puis d'ailleurs, c'est grâce à Jérémy en fait que je t'ai rencontré. On s'était vu Oui, à c'est vrai. Meet the Talent, et c'était lui qui nous présentait les talents. Ouais, tout à fait. Tu m'avais dit, ah, ça serait sympa que tu participes et tout. Mais ça fait longtemps, je sais plus quand c'était. Ben, il faisait froid en tout cas. Ça devait être en novembre. Ouais, il y a un an. T'as mis Ouais, du temps, tout à hein, fait. avant Mais oui. d'appeler. Eh oui, c'est le temps de la maturité. Tout à fait. Je suis d'accord. Alors, attends. Du coup, vous avez compris l'idée du dessin. Alors, On il y a des gens qui m'ont peut parlé de le la faire dessin. en sondage, hein. Est-ce que vous avez compris l'idée du dessin? C'est vrai Oui que ou pas non? du tout. Genre, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Non, je pense que c'est bon. Je pense que ça y arrive. Gérald nous dit, j'ai installé Discord il y a quelques semaines et je regrette pas. Bonne communauté Adobe. Oui. Ah, ok. Attends, je vais Voilà. observer l'annonce. Et du coup, je voulais mettre le logo. Je vais le mettre à la fin. Ok. Du coup, il faut que je fasse le dessin jusqu'au bout. Sais pas, t'es motivé? Il est 52. On a encore 34 minutes max. Et Oui. après, c'est comme tu le sens. Oui, carrément, carrément. Si Si vous avez vous... la patience, si vous avez des Exactement. questions. Je peux vous remettre le lien d'ailleurs du Meet the Talent avec Tiffany. C'était une session où il y avait Tiffany, il y avait Stéphanie de Rouget et Michael Terrasse. Et du coup, on avait eu vraiment trois styles complètement différents. Et on avait la petite intervention qui va bien sur Premiere Pro par Stéphane Baril et Olivier Huard qui étaient là. C'était plutôt chouette. N'hésitez pas à re-regarder cette petite chose-là. Hein. Gérald nous dit, ouais, c'est un épisode de Black Mirror version Tiffany Cooper. Pourquoi? Ce qu'il voit sur l'écran, être Ah observé en permanence. oui! C'est tellement bien le Black Mirror. J'ai fait l'erreur par contre de regarder pendant le confinement. Voilà. Ça avait vraiment un peu des échos de Ah merde, on va vraiment dans cette direction, quoi. Il C'est paraît ça. même que le créateur lui-même a Raté dit en J'ai pas envie fait. de faire de nouvelles séries, de nouvelles saisons parce que Parce la qu'on est curiosité a beaucoup trop vite rattrapé. rattrapé par la réalité. La réalité est finalement beaucoup plus grinçante. Ah, Après, on va dire que je plagie le monde réel, mais pas du tout. Alors Delphine nous dit que c'était pas un laptop, c'était au laptop. Ouais, c'était au laptop. Mais on dit pas un, on dit oh. ah, attention. Hein. Tac. Je vais mettre un écran bleu. Pouf, pouf. Et du coup, je vais. Parfois, je prends le temps de renommer mes fichiers. Parfois, pas toujours. T'es beau. Tu sais qu'avec tabulation, tu passes au calque du dessus quand tu renommes. Pardon, pardon? Si tu fais tab ou majuscule tab, tu vas pouvoir renommer le calque du dessus. Vas-y. Majuscule tab, c'est quoi, c'est espace? Tabulation, c'est à côté de ton A. AZ, et t'as la touche tab. Vas-y. Tac, tac. T'as vu, ça sélectionne le texte dans le... Quand t'es dans une renaming frenzy, dans une envie de tout renommer. Je fais tab, tab, Comme tab, ça. ça va vachement Au lieu de plus devoir aller. Ok. vite. Ouais, Ouais, j'aime je suis sûre qu'il y a tellement de trucs de toute façon que je pourrais encore apprendre, mon Dieu, quoi. bien. Donc en général, ce qui est cool, c'est qu'une fois que je retire tout le rue, c'est vachement moins intimidant que quand tu bosses sur un truc un peu chargé, quoi. Ouais, bah oui. Après, il reste plus grand-chose à dessiner. Je vais mettre le fond blanc, c'est quand même plus agréable pour dessiner. Ouais, Donc, surtout si c'est pourquoi ce que si vous tu fais avez des d'habitude. questions? Ouais, c'est ce que je fais d'habitude. Est-ce que t'as déjà réfléchi à te faire ta propre typo ou pas jamais? J'ai un pote qui me l'avait fait pour mon site internet. Il avait fait en capital, en lettres capitales, on dit.
Et en fait, il m'a dit que ça me coûterait un certain montant qu'il me fasse mon site web. Et après, quand, au moment de payer, il m'a dit que c'était le double. Du coup, on n'est plus amis. Du coup, j'ai plus accès. Enfin, je lui ai payé. On a trouvé un compromis entre ce qu'il avait dit et ce que j'ai dit. Bref. Mais du coup, j'ai plus. Enfin, je l'ai dans mon ordi. Mais je ne sais pas si je m'en servirai encore aujourd'hui. Et ce que je fais là, comme ça ne peut pas vraiment avoir le même effet. Tu vois, comment on appelle ça? Délier à la main. Tu vois, si je faisais A, B, tu vois, comme ça, là, ça pourrait. Mais Ouais, si mais tu es tout là, attaché, c'est compliqué, quoi. eh ben écoute, c'est compliqué, oui et non. C'est-à-dire que Ah t'as ouais? des, ouais, parce qu'une fonte, finalement, t'as des ligatures. Par exemple, si tu fais t'écris soufflé, ça va faire FFL en un seul. En un seul signe, hein, qui sera très joli. Et du coup, bah, si tu veux avoir une super police hyper fluide avec toutes les liaisons, tu peux le faire, tu peux Ah ouais? l'anticiper. Par contre, ça demande un temps un peu plus important que de faire justement ces petites lettres détachées, quoi. Ouais, je crois que créer une typo, j'ai cru comprendre que c'était très très long, quoi. C'est peut-être d'ailleurs, quoi, il m'a proposé ça et après, je pense que le temps qu'il a passé à le faire, c'était pour ça qu'il a réévalué le budget. C'est possible. Ouais, mais bon, quand tu me dis un prix, tu dis le prix. Hop là, tac. Ou alors vous mettez le prix Alors, des j'aime bien options. effacer les brouillons au fur et à mesure, moi, pour y voir plus clair. Et alors, j'avoue, parfois pour les formes, tu sais, les hauts, les tout ça, je peux les Ouais. redessiner 14 fois avant d'avoir la forme que je veux exactement. La typo, ça va toujours assez vite. Et alors tu vas la redessiner en complet, tu vas la redessiner pièce par pièce, tu vas. Ouais, parfois. Alors, parfois, je triche aussi. J'ai découvert un autre truc, c'est. Ah, les gens voient que je triche, c'est bien. Tu vois. Ah, bordel, excusez-moi. Comme sur le miel. En fait, en général, tu vois, tu peux prendre la forme et je vais dans fichier édition. C'est où, bah, où? Modifier. Allô? Tu cherches la Transformation. déformation de la marionnette qui est pas mal pour ça? Transformation. Déformation. Ouais. Et en fait, tu vois, je le Ouais, tu. réadapte un peu comme je veux, si c'est pas exactement comme je voulais, tu vois. Surtout si c'est une bulle qui est un peu ronde, mais genre elle colle un peu trop près de la D'accord. majuscule, je fais un peu comme ça pour pas devoir le redessiner. Non, mais Oui. carrément, de toute façon, c'est exactement ça, à ça que ça sert. Ouais, Enfin, dire, le but du jeu, c'est que ça le fasse bien et que personne se rende compte de la manipulation. manip. Mais c'est vrai que c'est drôle parce que pour la petite anecdote, vu que je dessine jamais des originaux. Ouais. Et que j'ai l'habitude d'avoir pomme Z, je suis toujours hyper frustrée quand je dessine À la main, sur papier pour parce les que je suis dédicaces et tout. là, genre pomme Z, je peux pas. Et cet été, mes nièces, donc super fière, ah, Tati, elle est illustratrice, etc. Et tu peux nous dessiner ci, tu peux nous dessiner ça, donc je le fais. Et à chaque fois, le résultat dessiné, elles sont toujours un peu là, genre. Ah, c'est ça en Genre, fait. t'as Ok. Ouais, finalement, jamais on va faire entendu autre ça quand même. chose. Tu gagnes ta vie comme ça, t'es sûr? Ouais, non, je suis un peu la triche. Et pareil, j'ai des clients qui parfois veulent faire des vidéos, tu sais, genre, ah, à faire comment on appelle ça? Un making-of, tu vois, de comment t'as dessiné le truc et tout. Et là, les gars, c'est pas du tout intéressant, je suis sur ma tablette. Et alors qu'il y a des gens, ils vont faire des vidéos, genre, tu vois, leur studio, et ils dessinent, tu vois, ils gomment, ils ont des crayons et tout. Moi, il n'y a aucune histoire à. Y a pas d'histoire à raconter. Tu devrais tester un truc si tu veux pour la partie déformation. Regarde dans édition, là où tu étais pour trouver la transformation, et quand tu sélectionnes ta bulle, et tu as un outil Alors, qui s'appelle la attends, quand je déformation de la sélectionne la bulle, marionnette. Ouais, et tu dis édition. transformation de la déformation de la marionnette, un peu plus haut. Juste le sous-menu d'avant, à gauche, marionnette, deux au-dessus. Voilà. Et là, tu mets des punaises, là où tu sais que ça bouge pas, genre t'en mets une ou deux en haut, et après tu. Voilà. Et chaque punaise que tu mets, tu vas pouvoir la déplacer. Donc t'en mets pas 15, t'en mets une ou deux qui te Je permettent de teste pour tenir ton voir ce truc. que ça fait du coup. Alors là, du coup, t'as pas fini ce truc, mais tu peux bouger, par exemple, tu veux bouger la petite pointe en bas, mais tu vas rajouter une punaise autour de la petite pointe en bas. Je comprends pas pourquoi on fait ça. Regarde, la pointe de ta bulle, par exemple. Tu te dis, ouais, elle est au bon endroit ou elle est pas au bon endroit, mais tu peux Ah, l'attraper. d'accord. Alors attends, je refais. Oui. Déformation de marionnette. Voilà. Je vais cliquer pour pas que ça bouge. Voilà. Alors, non, et après,
Non, tu cliques le reste, genre la base, voilà, stop. Tu mets une punaise, voilà. Oh. Et du coup, tu mets une ou deux punaises, genre comme si tu décidais d'avoir une espèce de truc en caoutchouc, et les trucs qui sont punaisés ne bougent pas, sauf si tu déplaces Incroyable, les punaises. putain. Mon Dieu, je ne Ouais. Voilà. savais pas. Ouais, parce que tu vois, du coup, par rapport à la déformation, du coup, t'attrapes les éléments un coup à droite, un coup à gauche, là, tu pourrais carrément attraper les trucs. C'est trop bien. Mmh. On écoute peut-être tous les jours, tu vois. Les petits jouets comme ça. Alors, attends. Du coup, c'est quoi le profil des gens qui suivent ce genre De de session? live? Bah, écoute, Alors, on va leur demander parce que y en a oui. deux, trois, on les connaît, tu vois. Genre Alice, on sait qu'elle est illustratrice, on sait qu'on a des lives avec elle. Clémentine Guivard qui est avec nous, pareil, elle fait l'illustration jeunesse et tout, l'illustration pédagogique. Mais les gens dans le chat, dites-moi qui vous êtes en deux, trois mots. C'est pas pour moi, c'est pour Tiffany, elle veut savoir. Non, il faut savoir quel genre de profil suit ce genre de live. On leur laisse le temps de répondre. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'ils ont de toute façon les 30 secondes de décalage entre le moment où je leur Ah, pose la question et le moment où ils commencent à écrire. Puis après, il faut qu'ils écrivent. ok. Tu sais, c'est un peu comment on dit, le elevator pitch. T'es dans un ascenseur, il y a 5 étages, t'es avec ton job de rêve. Et maintenant, il faut que entre les 5 étages, tu trouves à te définir et à donner envie de toi. Donc, on a des graphistes, on a des illustratrices, deux illustratrices. Graphiste et fan de Tiffany, pour Domitille. Oh, trop cool. Mais oui, Juliette est illustratrice et graphiste. Graphiste et formatrice de la suite Adobe. Illustrateur grand débutant. Papinoussev Grand qui est am débutant. amateur de faire des barbouillis. Mais son vrai gagne-pain, c'est les cheveux et les barbes. Ouh. Pourquoi faire? Ah oui. Denise est illustratrice. Voilà, je vous cite au fur et à mesure, je clique sur les noms de ceux que je connais pas encore, tout ça. Continue d'avancer. Ouais, donc moi, ce qui est toujours dur, par exemple, dès que je dois faire des ronds pour les yeux, je trouve que c'est un truc que je trouve difficile. Mmh. Faire un rond qui soit. Tu sais, il y a des applis où quand tu fais un rond et quand tu appuies longtemps, ça se transforme en rond. Ouais, bah y a ça sur Procreate sur l'iPad, mais là, regarde tout en haut de ton Photoshop. Tout en haut dans la barre d'options de l'outil, là. Plus à gauche, enfin, au centre de l'écran, en haut, voilà, dans la barre noire, tu as l'opacité, le flux et tu as le lissage. Et bien, le lissage, là, il est à zéro, tu as vraiment toute la réactivité de ton crayon. Mais si tu aides Photoshop, tu lui dis, je veux aller 30%, peut-être 50, on verra ce qui va. On va voir, Quand ouais. tu fais un cercle, en fait, il va t'aider un petit peu. Arrête, putain. Alors après, plus si tu vas à 100% en mode ouais, ça va être super clean, tu vas te rendre compte qu'il a besoin de deviner où tu vas et du coup il se galère un peu plus. Mais Ah, ok. voilà, tu Non, as. mais c'est trop bien ce truc. Mais oui. Alors c'est pas le flux, c'est le lissage. Mauvaise case. Là t'as changé le Ah flux, oui, donc t'as pas de il flux. était à combien de flux? Il Attends. était à 100%, c'était bien. Ok. Je vais mettre à 40, c'est ça que je voulais voir. Ok, pas mal. Ok. T'as vu? Et après, t'as des Quand je petites ferai des options. ronds, du coup, je ferai ça. Trop bien. Ouais, Et là, il est à c'est bien. zéro. Okay. Ouais, par défaut, il est à zéro, donc la moindre imperfection du trait, tu la ressens. Par contre, bah, si tu montes ton lissage un petit peu, bah, du coup, ça te permet de rectifier des trucs, quoi. Et après, ils ont un truc, mais qui doit venir des écoles d'art. Ils ont un lissage en mode, si tu tires une ficelle, tu sais, genre, je vais dans une direction et j'ai une ficelle tendue et quand je touche le bord, eh bien mon trait va suivre ce décalage-là. Et en fait, t'as jamais de ratage d'angle dessus. Et Ok. c'est juste après le lissage, c'est la petite roue dentée, t'as des options rigolotes à tester. Juste à gauche. Ça, c'est C'est quoi, l'angle. genre 20? Non, non, juste. Non, ça, c'est l'angle du pinceau. C'est pas ça. Ça, tu laisses à zéro. C'est la petite roue dentée entre les deux. Ouais, c'est ça. Et là, t'as le mode de ficelle tirée quand tu mets un peu de lissage. Et tu vas voir en fait le décalage. Il faut lui mettre ouais, 10, 30. Vas-y. Et en fait, ce truc-là, alors c'est super chelou la première fois que tu le fais, mais en gros, quand tu touches les bords de ton cercle, tu lui dis qu'il n'a plus besoin de lisser le truc. Mais faut s'entraîner, hein. Faut s'entraîner. Promis, ça ne viendra pas là comme ça en live.
Mais si tu te dis que ça peut être rigolo, je pense que c'est un truc à tester. Ok, carrément. Zéro, et vire la ficelle. Non, non, là, du coup, il a désactivé ça. Alors, hop. Alors, du coup, on continue. On a des amateurs de barbouillis, on a des graphistes, illustrateurs, motion design et débutants 3D. On a des illustrateurs et motion. On a Alice qui nous dit les traits droits, courbes aussi, c'est sympa avec le lissage. Ah oui, je sais. Ah, alors attends, voyons voir. Mais t'étais à 30, c'était bien 30. Et vire la ficelle tirée, peut-être que tu vas trouver ça pas drôle en fait. J'ai... Attends. Perso. Ouais. Tac. Tu veux dire que si je fais comme ça? Non, attends. Ah! Tu vois, c'est pas T'as dit mal. que ce soit droit et raide, c'est ça que tu veux dire, Alice? On se parle à Exactement. travers Franck? Ouais, c'est ça. Parlez-vous à travers moi, c'est un peu bizarre, mais on a assez peu la chance d'avoir des nécromanciens parmi nous, donc on en profite. Alice, elle était trop belle ton expo à la Slow Galerie. Bravo. Alice, est-ce que tu es contente de ce compliment sur ton expo à la Slow Gallery? Marée haute, marée basse. Ouais, on est dans l'instant promo pour Alice parce qu'on parle que d'elle. C'est Donc je vais vous mettre le lien de l'expo. aussi une session avec Alice Death. Non, alors on n'a pas fait de session avec Alice sur ce truc-là. Je vois que le lien vers l'expo, il est chez Creasento, évidemment. Est-ce qu'il est ailleurs? Putain, mais c'est génial pour les traits! Les gars, vous m'avez rendu un bon service là. T'as vu? Non On arrive un peu tard après ton ex, mais quand même, on a des trucs. mais. Toujours des trucs bons à prendre, écoute. Attends. Hop. Non mais allô, ça va me changer la vie, ça. Je vais vous mettre le projet de l'expo marée haute, marée basse, sur Behance pour Alice. Tac. Expo marée haute. Ah merde. On dit pas de gros, on avait dit qu'on disait pas de gros. Pourtant, je suis supposée faire gaffe avec un enfant, mais... Non, mais il y a peu d'enfants qui nous suivent. Ah, on a C'est du vrai. côté YouTube, on a perdu un petit geek qui est un illustrateur et infographiste 3D, vidéaste et effets spéciaux. Il faut venir, petit geek, tu cliques sur le lien pour participer à la conversation. C'est là qu'on est tous. C'est pour ça que je t'ai pas cité. Alors, Et ça, c'est la partie que je kiffe, c'est quand le dessin prend vie. ouais, quand tout à coup, tout est en train de débarquer, quoi. Alice est ravie, Clémentine trouve que l'expo était canon. Gérald dit deux points à deux endroits différents en laissant appuyer sur majuscule, ça fait un trait, il me semble. Ouais, ça fait un trait, mais du coup, on a moins le côté vivant du dessin. Donc je comprends qu'elle ne le fasse pas. Tout à fait. Ah non! Putain, je les ai fusionnés, ce truc-là. Fuck. Oh, t'as. Essayer de faire plus grand. Ah ouais, d'accord, Qu'est-ce que tu essaies de faire? Ah oui, t'as laissé la bulle. ouais, j'ai pas fait un calque pour la main, en fait. Non. Bêtise. On rattrape comment Oui, personne ne le saura. on peut. Attends. Personne ne le saura, les gens ne sont pas en train de regarder, de repartager en disant « Ah, vous avez vu comment Tiffany, essaie de pas sur le Photoshop. elle fait ». Normalement, tu t'en sers mieux après la session qu'avant. En général, c'est comme ça que ça se passe. Mon téléphone d'ailleurs, j'ai un peu triché parce que c'était un brouillon, mais j'aurais pu un peu mieux dessiner. Ouais, en fait, je suis un peu une freak, je veux que ce soit bien fermé et tout. Bah, t'as raison. Alors, voyons voir. Dans la ligne claire, c'est la vie. T'as dit quoi? La ligne éclair? Pour la ligne claire, c'est la vie que les traits soient bien fermés. Ça rassure ton coloriste aussi en général, même si c'est toi le coloriste. C'est clair. Alors, ça, c'est une confession. Je devrais peut-être pas faire ça. Non, du coup, je vais faire une bière. Mais, ouais, non, je vais effectivement, ça peut être pratique pour que quelqu'un d'autre bosse un peu à ta place. Ouais, après, no normalement, tu vois, ça c'est la première étape. Tu fais tes illustrations, tu fais ta couleur toute seule et tout. Et déjà, si tu l'as fait sur un calque à part, c'est un bon début. Puis après, il y a l'étape où tu te dis, tiens, ce serait cool d'animer tout ça. Et là, tu te rends compte que tu es obligé de tout décomposer pour de vrai, t'as le droit de rien oublier et tout. Et alors, ce que je voulais faire, c'était. Je vais tricher encore, hein, mais je voulais. Je m'aide avec Des des. références.
Ouais, Insta, Instagram. Tac. Et je le mets, j'ai un écran au-dessus de mon écran pour le voir. Et du coup, l'idée, c'est de faire un truc un peu similaire. Personne quelque part. Choc. Alors, c'est quoi? Violet foncé. Bleu. Bleu. Ensuite, violet. On révise au fur et à mesure. Alors, si vous avez des questions à poser à Tiffany, c'est le moment, on est tranquille. Il est 15h10, il nous reste encore un petit 10 minutes, un quart d'heure tranquille, on regarde. Mais après, il sera trop tard. Après, vous serez obligé de lui poser des questions dans les commentaires de son podcast, dont vous avez l'URL. Ce qui est bien aussi. C'est drôle, ça, c'est parfois quand tu demandes aux gens de dire ah, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. J'avais fait ça pour le podcast et il y a une meuf qui m'avait dit je trouve ça trop long, enfin vous m'avez demandé vos retours, moi je trouve ça trop long. J'étais là, oui, pardon. Tu m'as Ok. envoyé un MP déjà. C'est ça. Oui, alors, il y avait, j'avais vu un truc sur l'expérience utilisateur où il disait, en fait, si vous trouvez ça, si vous trouvez, ça cool, dites-le à vos amis. Si vous trouvez ça pas cool, dites-le nous. Ah, c'est plutôt l'inverse, non? Ah! Bah si. Dites-le à vos amis si vous trouvez que c'est trop bien. Partagez l'info. Par contre, si vous trouvez que c'est pas bien et qu'on peut améliorer des trucs, dites-le nous et nous, on améliore. A Dites-le priori, pas à donc la toi. plupart des gens qui nous suivent, c'est des créatifs. Tout ça, c'est toujours dur, faut admettre, de recevoir des critiques. Et en même temps, c'est souvent là, oh, la fin de la mais souvent là qu'on apprend, quoi. Moi, je sais que pour le podcast, premier épisode, j'étais tellement enthousiaste que je coupais la parole de Romane Boranger. J'étais là, blablabla. Et ma sœur m'a fait remarquer, et une invitée, enfin une fille qui suivait, elle disait, elle a mis, mais laissez les gens parler. C'est comme ça. Là, je me suis dit, ah oh, merde, c'est l'histoire de ma vie. Putain, j'ai beau avoir 37 ans, c'est encore là, quoi. Et en fait, que ce soit dans mes relations, enfin, tu vois, dans des discussions et tout. À la rigueur, je vais pas me... enfin, je suis comme je suis, tu vois, mais je me dis pour un podcast où je suis quand même supposée laisser un peu la place à l'invité. Et j'ai réussi à redresser le tir, mais seulement à partir ouais, du quatrième épisode. Ouais, quatrième épisode, je dirais. Mais ça y est, maintenant, j'arrive à vraiment laisser l'autre parler et j'ai dû couper la parole, genre, trois fois minuscule, tu vois. Mais Ça va, c'est changer bravo. de mauvaises habitudes, c'est. Ah, c'est pas simple, hein. Puis surtout que ça dépend vraiment de l'interlocuteur avec lequel t'es en train d'échanger. T'as des gens qui vont être aussi très loquaces et d'autres qui vont plutôt observer, écouter avant de te répondre, quoi. Donc, Ouais. Il y a Alice qui nous pose une question, vu que j'ai lancé la foire aux questions. T'as déjà fait tellement de projets variés et tout ça, c'est fou. C'est quoi le projet suivant dont tu rêves? En sachant que c'est pas le projet qui va sortir la semaine prochaine et dont on connaît pas l'info et tout. C'est pas les projets confidentiels. C'est quoi ton gros rêve après? Mon rêve déjà, c'est de faire un livre pour enfants et ça va arriver, donc ça, je suis très contente. Il y a quelque chose que j'aimerais beaucoup faire un jour, c'est enfin, écrire un roman, rien à voir. Écrire un roman. Alors que tu nous as dit toi-même que tu savais qu'écrire un livre c'était trop long. Oui, mais écrire et dessiner, c'est autre chose. Écrire sur l'ordinateur, moi j'écris très vite. Par contre, dessiner, dessiner, illustrer un livre, interminable. Qu'est-ce que j'aurais très envie de faire? J'aimerais beaucoup faire une collab avec Crocs. Crois que c'est les chaussures? Ouais, les chaussures, je trouve ça très drôle et je me dis, j'aimerais trop faire. J'ai été contactée il n'y a pas longtemps, j'aurais dit, il faut vraiment qu'on fasse un truc ensemble. Parce que moi, quand j'ai bossé avec les gens, je leur écris, je leur dis coucou. Puis ça marche en plus, parce qu'on pourrait dire En général, il y ouais, a plein de gens. t'y vas au culot et ça passe quoi, donc Ben, en fait, par exemple, il n'y a pas longtemps, avant de devenir végétarienne, lol, j'ai contacté McDo parce que j'ai toujours adoré bosser pour des marques iconiques. Et du coup, au lieu de demander à mon agent d'y aller à ma place, j'ai envoyé une lettre au PDG avec une présentation de mon travail et tout en disant directement à j'adorerais. Ronald McDonald. C'était ouf. À personne. À l'époque, c'était Naopa Travelzi et il a vachement apprécié La démarche. la démarche. Du coup, on allait prendre un café, il était hyper sympa. Il m'a dit bah, je vais vous faire rencontrer des gens chez McDo. Et en fait, tous les gens là-bas sont hyper sympas. Ouais. Et c'est parce que j'ai envoyé une lettre. Si tu veux, c'est plus personnel qu'un espèce d'aspect financier. Genre, il y a un agent qui vient en disant, ou une agence de com qui dit,
voilà, je vous recommandais l'artiste qui est bankable ou je ne sais pas quoi. Un artiste qui vient te voir bah, comme Karl, tu vois. Karl, ça lui a plu qu'on vienne. Karl, il venait jamais vous chercher. Qu'on vienne le chercher et qu'on ose le chercher aussi, parce que je pense que c'est Ouais. rare, quoi. C'est vrai. Donc, ah, je vais remettre le message. Hein. Donc voilà, qu'est-ce que j'aimerais beaucoup faire? Mon rêve, ce serait de faire une série animée. Ah, mon rêve un peu honteux, mais allons-y. C'est de faire un truc qui cartonne comme Choupi ou Pat' Patrouille et de me faire une tonne d'oseille et de pouvoir me reposer à la retraite. Alors, est-ce que Choupi cartonne suffisamment pour se faire une tonne d'oseille? Je sais pas. Ah, si tu veux, ah, peut-être pas Choupi aujourd'hui, mais genre Pat' Patrouille. Est-ce que. Parce que ouais, Ah, parce que pas de patrouille, ouais, à fond, mais Pat' Patrouille, couille en or. tu veux des produits dérivés et tout. Ouais, Made in China qui pollue la planète. C'est ça, c'est ça. Non, Oui. c'est l'enfer, je sais. Mais je me dis, franchement, tu fais un truc qui cartonne, tu vois. Non, mais même de façon plus cool, tu vois. Genre, Snoopy, c'était hyper, hyper puissant, Snoopy. Peanuts, en tout cas. Et faire un truc aussi mythique que ça. Tu vois, ou je sais plus, l'autre jour, j'ai vu la film d'animation de la famille Addams. Et du coup, je me suis renseignée un peu sur le mec qui avait créé ça et tout. Ouais. Et tu sais, tu crées un truc qui devient un culte et qui ensuite, tu as des droits d'auteur pour toutes les déclinaisons de ce truc-là. Enfin, j'adorerais faire un truc qui marque un peu une Qui génération. marque son époque. Il y a Alice Ouais. qui propose, ouais, Tiff Patrouille. Tiff Patrouille. Merci Alice. Elle a Non, mais c'est apporté. important d'être soutenu par les amis. Tout à fait. Tiff Patrouille. Les amis de bons conseils. Ouais. Il y a plein de trucs que j'aimerais faire, ouais. Série animée. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Alors, je suis jamais très forte pour ces trucs-là. Transformation, torsion, distorsion. Est-ce qu'on ne fait pas un peu plus clair, lui? Non, c'est pas ça qu'on voulait. Ah, bordel. Excusez mon langage encore. Décidément, je dis beaucoup de gros mots. J'ai l'impression d'être observée en permanence. Et ben voilà, mon dessin est fini. Bravo. Ah, t'as les ombres portées, pardon. Les ombres portées, ça c'est un coup à envoyer le dessin sans les ombres et après vouloir faire une rectif dessus. Ceci n'est jamais une situation qui est arrivée auparavant. Hop là. Et ce qui est bien, c'est Ah. qu'avec les deux têtes de ton psy, tu pourrais lui faire hocher la tête au moment où il regarde le truc et tu pourrais faire du Reels à pas cher sur Instagram. Grave, j'avais fait à un moment des ah là là. Des gifs, on dit, que j'exportais en vidéo. Maintenant, le truc, c'est les reels, ouais. Faudrait que j'y réfléchisse à ça, ouais. J'ai l'impression d'être observée en permanence. Eh bien voilà, mon dessin est terminé. Hop, ça c'est bon. Du coup, je vais sauvegarder aussi, je l'aplatis, tac, pour le sauvegarder et le publier demain. Tac, tac. Je vais l'appeler Psy Téléphone. Non, Instagram. On va aller là-dedans, très bien, enregistré. Ok. Voilà, j'ai un peu parce que c'est un peu laborieux, mais Non, mais voilà. attends, c'était pas du tout laborieux et c'était t'as vachement avancé sur le process. Remets-le en grand que les gens puissent le voir. Mince, c'est Yes. quoi cette idée? Voilà, Il est bien ton écran blanc, mais ah, il est inintéressant. J'ai voulu faire un truc un peu il est propre. volontairement inintéressant. Oui, Genre, fais plus. je l'ai vidé pour pas que tout le monde voit les 15 projets sur lesquels je bosse en ce moment. Tout est dans coming up, tu vois. Le prochain Tiff Patrouille et tout. Exactement, tout. Alors, comment on va faire? Je vais l'ouvrir comme ça. Tu Tac. te le mets en fond d'écran et tu vas le voir chaque jour. Voilà. Non, moi j'ai besoin. C'est comme dans ma chambre. Mon frère il est venu l'autre jour. Il a dit, mais pourquoi la chambre de ton fils c'est genre Kawaii Land et ma chambre c'est genre Monacal? Mais j'ai besoin d'avoir les idées claires. Et du coup, un ordi en bazar. Je comprends pas les gens qui bossent avec des fichiers partout. Je sais pas comment ils font. Moi j'ai besoin que ce soit. Surtout quand tu fais du dessin et que tu crées du contenu, tu ne veux pas être parasité par. Voilà. Écoute, je ne sais pas travailler dans un endroit, dans un environnement où il y a des gens qui parlent parce que j'ai envie de les écouter.
Donc, Pareil, je me moi dis c'est que ça pour doit ça que j'ai être arrêté de pareil. bosser dans un bureau partagé parce que je bossais avec 5 filles hyper cool. Mais du coup, c'était ah là là, mon fils t'as pas dormi cette nuit parce que le truc, tu veux un thé? Tu veux... Moi j'étais là, genre, ta gueule. Genre, ouais, mais bien sûr, je veux un thé, mais bien sûr, ça me passionne ton histoire. Et tu perds Mais un temps fou. c'est ça, à la fin de la journée, il faut refaire une deuxième journée pour compenser Ah la mais je première. comprends pas. Moi j'ai besoin de me mettre à l'ordi. Par contre, il y a des journées où je me fais du. Ouais, parce que parfois je suis à ma table de travail à 7h30 et je finis à 20h. Mais par contre, il y a des jours où je bosse pas. Tu vois, parce que justement, je suis machine de guerre sur mon ordi, mais ensuite, on fait autre chose, quoi. Traîner, discuter, boire un café, tu perds du temps. Moi, je comprends pas ça. Mais... Chacun son kiff. Chacun sa méthode. Moi, j'ai besoin de dissocier, en tout cas, ça. Exactement. Bah, écoute, merci en tout cas à toi d'avoir partagé toutes ces petites infos, de nous avoir fait un retour sur ton parcours, sur ta vie, sur l'univers et le reste, comme on dit dans les histoires. Merci à tous d'avoir été avec nous sur le chat Merci, ouais. et d'avoir posé les questions, d'avoir exprimé tout ce que vous aviez à nous raconter. Ça, c'était cool aussi. On se retrouve demain matin à 10h. Si, d'ailleurs, si vous arrivez là maintenant et vous êtes hyper frustré parce qu'il est tard et que vous allez être obligé de regarder le replay, eh bien rassurez-vous, il y a un replay, vous pouvez le lire, vous pouvez commenter, vous pouvez le repartager à vos amis, vous pouvez le liker parce que vous êtes hyper fier d'avoir aimé ça. Et on... il n'y avait pas de... Non, t'inquiète. Non, c'est d'avoir aimé ça. Il n'y avait pas de mépris. Vous J'ai avez... pas vu de mépris, Vous mais pouvez être vas-y. hyper fier d'avoir aimé la session. Dites-le autour de vous, comme on a dit tout à l'heure. C'est parlez-en à vos amis. Et demain matin, 10h, on continue sur En attendant Motion plus Design, et ce sera avec Marie-Véronique Lecoq. On va enchaîner, on parlera de Photoshop, on parlera d'After Effects, on parlera de tout ça. Et on fait dans l'après-midi, moi je vous refais un petit tour sur Fresco, et on va faire de l'animation vectorielle, parce que ça fait un bail que j'ai des petits trucs en plan et que j'avance tout doucement, donc on va les faire avec vous. En direct, et ce sera demain à 14h. Je vous mets les liens de tout ça dans le chat, je vous mets les liens de tout ça directement sur le petit YouTube, et puis comme je suis sympa pour les gens qui seraient perdus, je vous mets le lien du Discord en français où vous pourrez nous suivre. Voilà, merci beaucoup à tous, Merci à tout le monde, merci à ouais. toi Tiffany, c'était très cool C'est un grand plaisir. d'échanger avec nous, et puis eh bien je pense que on va s'arrêter là. Allez, bye bye. Au revoir.